Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau ensemble pour encore une vidéo sur les tags. Donc je continue toujours avec voyez, les tags que j'ai pris chez Action. Donc je vais travailler avec le marron. C'est vrai que j'ai pas travaillé avec le noir, mais pour l'effet je trouve que noir c'est sombre et c'est j'aime pas trop. J'en ferai peut-être, mais pour le moment j'ai plus d'idées avec les blancs et les marrons. Donc on va en prendre deux. J'en ai pris un. Est-ce que j'en ai pris un deuxième? Non. Donc je vais en prendre un deuxième. On va travailler avec deux tags. Et je vais travailler avec cette planche de votre livre de fête de Noël. Donc c'est celui-là. Donc je vais découper déjà hors caméra toutes mes découpes et je vous reprends. Une fois qu'on les a collées, on va attendre que ça colle bien. Et à partir du premier tag, on va mettre 4 mm, un point à 4 mm, un autre point à 4 mm, à partir de la longueur du tag, là, 4 mm. Et là, vous allez mettre une règle sur les deux points de 4 mm. Et vous allez plier, vous faire une deuxième pliure. Voilà, vous en avez deux. Voilà, vous en avez deux. Donc ça vous donne, j'essaye de plier correctement parce que c'est un peu délicat. Alors, je vais remettre. Le temps que ça se fait, le pli. Un peu épais, j'ai beaucoup de mal avec le pli, mais je vais y arriver, vous en faites pas. Voilà le deuxième et le premier, voilà, et l'autre. Voilà. Donc vous avez une petite surface de 4 mm qui fait une petite hauteur comme ça. C'est pour l'épaisseur quand on va quand on va l'attacher comme ça, parce que comme il y aura des décorations à l'intérieur, ça fera une petite épaisseur comme ça. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous allons prendre, voilà, le fond de notre carte que nous avons découpée sur notre planche. Et nous allons procéder comme les autres. Donc, je vais découper en deux. Ferme en deux déjà. Je vais enlever un petit 1 cm. Toujours, on enlève un petit 1 cm. Là. Je ne sais pas où il a disparu. Je voulais vous le montrer. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est le 1 cm. Une fois que nous avons fait ça, nous n'avons plus qu'à coller notre fond, bien sûr. On met de la colle. Je vais mettre de la colle sur mon tag, ça sera beaucoup mieux. Voilà, sur le tag vertical. Et on fait notre fond. Donc, on met aussi un petit liseré, comme on fait d'habitude. Si vous suivez mes autres vidéos. Donc on fait un petit liseré sur le tout, là, on laisse 2 mm. On continue pour l'autre. Donc faites attention de bien prendre. Vous voyez, là je l'ai mis, je fais une erreur, c'est bien le soir, c'est la deuxième ici. Voilà. C'était là. Je remonte un peu ici. Voilà. Et la deuxième, c'est ici. On va la mettre correctement ici sur le haut, bien qu'elle dépasse que d'un millimètre, 2 à 3 mm. Voilà. Je remets de la colle bien sûr ici. Ah, ça tombe. Voilà.
Et là, ça va me faire le fond de mon tag. Donc, je découpe ici, bien sûr, comme d'habitude. Je prends mon petit ciseau qui coupe. Et là, on fait la forme du tag. Voilà. Ici, je ne suis pas. Et là, je ne suis pas. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a fait les découpes, ici, nous allons prendre notre machine à œillet et nous allons, bien sûr, faire notre petit trou qui est au milieu. Voilà, ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, nous allons placer nos décorations. Donc, je vais déjà prendre celle-ci. Je vais la mettre comme ça sur le haut. Je regarde un peu. Parce que j'aurai l'autre, celle-ci, je l'aurai sur le bas. Voilà. Donc, il faut bien que je le mette. Voilà. Donc, je vais faire peut-être une petite découpe ici pour qu'il puisse rentrer. Je vais regarder un peu. Non. Je regarde un peu où comment je peux le mettre. Je vais le mettre un peu plus haut, comme ça, ça ira mieux. Voilà. Oui, ça fait beaucoup mieux plus haut. Je vais mettre comme ça. Et je pourrais mettre la petite fille sur le bas. Ici. Voilà. Donc, je vais mettre, bien sûr, en hauteur mon illustration. Ça, voilà. Ensuite, je vais mettre celle-ci sur le bas, donc la petite souris sur le bas. Je vais la mettre sur, bien sûr, en hauteur. J'ai eu un petit problème, ça s'est enlevé. Je remets. Oh, elle a disparu. Je remets un petit peu de scotch, un petit peu en hauteur. Et là, je la place. Je pense que je vais lui mettre deux. Donc, on va mettre deux. De scotch pour que ça fasse un peu plus haut que la première illustration. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Oui, ça fait mieux. Voilà ce que ça vous donne. Quand vous en mettez deux, elle monte au-dessus de la première. Ensuite, je vais mettre, bien sûr, je regarde un peu. Que je peux faire, il va y mettre les cadeaux, je vais mettre les cadeaux, donc je vais les placer autour, je vais les mettre pas en hauteur, ça ira beaucoup mieux de les mettre comme ça en dessous. Voilà, on va mettre tous les cadeaux à côté.
celui-ci aussi, le troisième. Il sera là. On va le mettre comme ça. Voilà. Celui-là, un peu plus haut peut-être. J'ai un peu mal, il ne veut pas coller. Je ne sais pas pourquoi. On va le pousser. Voilà. Ça vous donne ça. Donc sur mon die, sur mon fond, il y a des petites étoiles. Moi, je vais les accentuer. Je vais mettre des petites étoiles. Je vais coller. Ça va être assez long. Donc, je vais vous mettre en accéléré. Donc voilà, j'ai collé les petites, des petites étoiles, ça fait plus joli, voilà, les petits détails comptent. Hein. Donc c'est un peu long, mais j'ai essayé de les faire, vous voyez, il en manque même deux ici. Donc je vais essayer de les mettre, ça fait beaucoup plus joli quand c'est fait comme ça à la main. Il m'en manque deux petites et moi je les vois et ça m'embête. Donc je vais les mettre. C'est assez long de faire ces petites étoiles, donc c'est embêtant. Voilà, donc il en manquait une là. Voilà, c'est terminé pour les petites étoiles. Donc maintenant, j'ai pris... ces rouleaux, c'était à Action, je trouvais ça assez chouette, donc je vais voir ce que ça donne. J'aurais voulu mettre, vous avez vu, on a laissé le liseré pour mettre cette petite bande là, comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vais la coller autour. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis à deux, j'ai mis un petit liseré comme ça, pour qu'on puisse mettre là, la guirlande de Noël, hein. Un petit, c'est assez joli ce ruban. Donc là, je mets ça autour et là, je commence autour. Donc c'est pareil, je vais le faire en accéléré, ça ira plus vite. Je vous ai montré un peu, on fait tout le tour et je vous reprends. Voilà ce que ça vous donne. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais essayer de recouvrir la partie qui se rabat. Donc je vais mettre du doré, donc comme je reste dans le même ton. Donc j'ai pris ça autocollant chez Action. J'ai pris, bon bah c'est les mêmes, j'ai pris la mesure, j'ai fait l'empreinte. Je l'ai découpé et je voudrais un petit liseré. Donc pour faire un petit liseré, donc il va falloir, voilà, laisser un millimètre autour. D'abord prendre votre partie et la descendre à peu près d'un millimètre. Et ensuite vous enlevez ici, ici, ici un millimètre. Vous faites un petit liseré. Donc moi, vous pouvez couper 2 mm ou alors, moi je fais, j'ai l'habitude des mesures, donc je le fais un petit peu. J'essaye chaque fois d'enlever un petit millimètre. Et après j'essaye ma mesure et je regarde si c'est vraiment ça. Donc là, il me manquait un tout petit peu ici. Ça doit être 2 mm pour vous. Hein. Voilà. Je pense que là, j'ai un tout petit peu ici. Ça doit aller.
ça doit être parfait ici. Oui, là je pense que c'est bon. Je vais donner juste un petit coup ici pour mettre un petit peu un petit liseré ici, et là je vais enlever, et c'est là qu'il faut faire attention parce qu'il va falloir bien la coller. Vous pouvez faire ça en papier aussi si vous trouvez que c'est plus délicat, mais moi j'aime bien travailler avec tout le matériel d'action, donc je vais travailler avec celui-là aussi. Là, et voilà, ici j'en ai mis plus, ça va, il s'enlève bien, hein. Donc vous n'aurez pas de problème. Donc on va le repousser encore, je vais repousser bien d'un millimètre. Que je le liserai ici, mais je ne le pas liserai ici. Voilà, là je l'ai. Donc voilà ce que ça vous donne. Il se travaille très très bien ce papier. Voilà, ce papier, enfin ce autocollant, on va dire. Une fois qu'on a fait ça, je reprends mon œillet. Vous faites attention parce que là, je ne peux pas vous dire si ça se découpe bien avec l'œillet. Donc attention, j'ai déjà un petit quelque chose à l'intérieur, donc déjà on va enlever ça pour pas faire de bêtises, et là je vais remettre mon œillet, et là c'est à l'intérieur, je regarde, oui, très bien, il se coupe parfaitement. Voilà ce que ça vous donne. Une fois qu'on a fait ça, je vais, il me restait une décoration, donc il me restait ça. Et il me restait le petit sentiment. Mais comme il est grand, je vais le découper. Donc moi, je vais le découper. On va le faire en trois petits mots. O, Christmas et Tsari. Comme ça, on pourra le mettre comme ça. On pourra mettre O. Sur le O. Ici, je vais essayer de mettre, voilà, comme ça, et là, et on va mettre le dernier mot sur le bas. Donc, ça fera ça. Donc, je trouve pas mal. Donc, déjà, je vais mettre le haut. J'espère que ça se colle bien dessus, parce que j'ai jamais essayé. Donc, on va voir ce que ça donne. J'en ai un peu trop mis, donc je vais mettre un petit peu dessus celui-là aussi. Donc je vais mettre le haut ici, le Christmas ici. Je regarde par rapport à ma petite fleur. Oui, on va mettre comme ça. Et le dernier en bas. Donc là, je vais la coller avec du double face un petit peu en hauteur. Ça fera peut-être plus joli. Je vais abîmer encore mon ciseau ici. J'abîme tous mes ciseaux. Il faut que je les nettoie en plus. Hein? J'avais un ciseau avec lequel je travaillais. J'en abîme qu'un. Comme ça, je n'abîme pas les autres. En plus, c'est celui de mon petit-fils. Il m'entend. Non, c'est celui de ma petite-fille. C'est la Reine des Neiges. Là, j'enlève ma petite pellicule. Et je place ma petite fleur comme ça. Donc, voilà ce que ça vous donne. Je vous montre déjà. Ça vous donne ça. Donc, il me reste le petit œillet. Donc j'ai pris dans mon livret un petit cercle que j'ai fait un petit trou dans le centre. J'ai mis de la colle et je colle celui-là. Ça fait un ton de vert et je trouve que ça s'adapte très bien à ma petite création. Ça vous donne ça. Ensuite, toujours à Action, il y avait ce modèle
de ruban. Je ne sais pas si c'est un ruban, mais à l'intérieur, vous savez, il y a un fil de fer. Donc, c'est très, très bien. Donc, je vais prendre, voilà, une partie que je vais poser ici. Je vais rentrer, voilà, ici. Et je vais faire un petit nœud. Ça va tourner, vous voyez, c'est du fil de fer. Je vais couper les deux extrémités. Je vais le rentrer comme ça. Ça va me faire un petit cercle, là. Ici, je vais mettre un petit bout de 1,5 cm que je vais coller. C'est pour ça que j'ai mis le scotch. Ça va être collé ici. Voilà. Moi, je préférais faire ça. Après, vous, vous pouvez bien sûr mettre un ruban ici et le coller avant de coller vos surfaces pour faire un petit nœud pour accrocher. Donc, moi, je voulais faire ça. Je trouvais que c'était assez joli. Et là, on n'a plus qu'à rentrer. Voilà. Je pense qu'il est un peu trop grand. Je vais le rapetissir un petit peu. Vous le réglez. Voilà. Je vais régler un peu mon cercle. Voilà. Tout en faisant une jolie truc. Une jolie décoration, et là on n'aura plus qu'à rentrer notre voilà, et ça tient tout seul. Ça vous fait un joli petit fermoir comme ça. Donc c'est très, c'est assez pratique ce ruban. Je voulais faire ça, je trouvais ça assez joli. Donc pour ouvrir, on ouvre comme ça en passant. Voilà, il faut d'abord bien que ça colle, vous laissez bien coller, hein. Ce que j'ai pas fait moi avant. Donc vous le laissez bien coller. Et là, ça fait un petit crochet. Et là, vous pouvez rentrer. Voilà, votre structure. Et il se ferme parfaitement. Sur le haut, donc nous avions notre étiquette. Donc pour notre étiquette, je me suis dit que je vais prendre une autre planche de die. Et je voulais regarder. Il y en avait un petit pour faire un autre. Ouais, je regardais, ça ferait pas mal. Je trouve que non, on va laisser ça, c'est beaucoup plus joli. Il est déjà très chargé, donc là je vais mettre une pour accrocher notre tag, bien sûr, une jolie décoration comme ça. Donc on va essayer de la rentrer. Je vais voir si je peux la rentrer doucement parce que c'est du fil de fer, comme je vous disais. Voilà, ben, ça rentre parfaitement. C'est vraiment très bien. C'est pas mal, hein, cette décoration. Donc là, on rentre à l'intérieur. C'est vraiment très, très bien. Vous y allez doucement parce que c'est du fil de fer. Donc il faut l'aider. Voilà, je rentre avec. Il faut bien la rentrer. Bien l'aider à la pousser parce que ça rentrera pas tout seul. Ce n'est pas du ruban, hein. Donc voilà, vous y allez doucement, et là vous voyez, c'est un petit fil de fer qu'on va tourner ici. Voilà, je le tourne et ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne avec le matériel d'action. Donc je voulais vous montrer une autre façon de travailler. Voilà pour votre tag. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais vous remercier. Remercier bien sûr mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.